En dépit de son faible effectif, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs allemands est devenue une formation reconnue pour la qualité et l'originalité de ses prestations. Elle a su diversifier son registre, exécutant des parades admirées, et elle est, outre ses qualités musicales, un instrument important de relations publiques pour son bataillon, pour les troupes de montagne, en France comme à l'étranger. Célébrant cette année le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, la fanfare du 27 s'adjoint les voix des groupes tonins de chœurs d'hommes pour la plupart, tous anciens du 27. Une fois de plus, et en levée de rideau, nous allons accueillir notre pour ce festival, ces véritables ambassadrices des bataillons de chasseurs alpins. Vous allez la découvrir une nouvelle fois sympathique, sympa, dans une teinte des années 80, mais aussi du folklore savoyard. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements et sous la direction de l'adjudant-chef Éric Moron, la fanfare du 27e bataillon chasseurs alpins. Thank you.
La danse des canards.